Salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture. Et bien sûr, je serai accompagnée de... Mr. B-Boy. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah super, écoute. Je suis extrêmement content. Pokémon change, voilà. Pokémon sort des choses que les gens veulent et les gens aiment. On parle évidemment de Pikachu, mais pas que. Beaucoup d'énormes Pokémon comme Latios, Latias, etc., etc. On revient un petit peu aux sources et aux origines. Les gens n'ont pas du tout aimé Fable Nébuleuse, on va pas se mentir. Ils n'ont pas trop aimé les derniers sets, même s'ils commencent à bien monter et être bien demandés. Et ben là, ça y est, EV8, étincelle déferlante, évidemment, avec un Pikachu en vedette, Latias sur un côté, Pondralugon sur un autre. Et c'est tout, je crois. On a normalement notre contre d'Alola. Aussi au-dessus, si tout. Ah, voilà. Oui. Eh oui, bah oui, mais Sophie, t'oublies, ouais. C'est pas le Moss Bagarl. 191 cartes de base. Et après, c'est que des secrets, évidemment. On dépasse le numéro pour un total, je suppute, 250, voire plus. De 250, voire plus. Et pas 150, vous l'aurez compris. On est parti? On est parti. Allez, c'est on parti. Va ouvrir la display et regarder les 4 boosters. Allez, on a donc les 4 boosters juste en face de nous. Sophie, en ordre. Alors, nous avons Latias. Wep. Pikachu Crystal. Terra Crystal Terra Stellaire. Crystal. Pondralugon. Yes. Et Noix de coco. Coco d'Aloha. D'Alola. Parce que Aloha, ça existe vraiment. Exact. Donc, 2 Pokémon Terra Crystal Stellaire et 2 Pokémon classiques, donc Pondralugon et Latias. Honnêtement, les boosters, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont tous trop cool. Ouais, allez, non. Pondralugon, c'est pas notre délire, donc à la limite, ouais, lui, les on va. Plus voilà. Cool, ils sont pas. Mais ils passent bien. Ouais. Ils passent bien. Ils ont fait des petits efforts dans les boosters sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. Enfin, EV8, on l'a attendu, Sophie. Hein. On ouais. L'a attendu, Miss Bigger. Allez, vas-y, on ouvre, allez, commence là. Go. Vas-y, bombarde-nous ça, parce que là, j'en peux plus. J'ai hâte, j'espère une alternative. On a été très chanceux récemment. On espère, évidemment, une alternative, à savoir que le set sort le 8 novembre ou le 5 novembre, quelque chose comme ça. C'est ça. On l'a eu en avance, étant donné que énormément de boutiques le vendent en avance. Leclerc, Fnac, il y a même des Cash Express. C'est débile. Mais bon, écoutez, on en profite. Et donc, on peut vous offrir ceci et le découvrir. Ensemble, évidemment. Allez, on est parti. L'épidonille. Il y en a bien 191, j'ai bien fait mon boulot. 191. Il y en a bien 191, j'ai bien fait mon boulot. Frison. On a modifié hein, le luminaire, normalement, ça devrait être mieux. On a remis comme avant, voilà, finalement. Magnézone. Qui est très sympa. Ouais, non, c'est sympa. Oh, Gros Mago. Qui a un style très particulier, un trait très fin. J'aime bien. La sombre ball. Allez, c'est là où ça va être intéressant, doucement, Gribat. La gueule. Oh, on commence avec une AR, mais ça me plaît. Hermure, oui. Et voilà. Hermure. Très jolie, d'ailleurs. Très particulière. Alors, il y en a plein qui aiment. Il y en a plein qui aiment pas parce que ça fait trop réaliste aussi. Mais Hermure, effectivement. Ah, j'aime bien. Effectivement. Tu peux avoir un hit en dessous. Attention, Sophie, fais pas n'importe quoi. Tu sais quoi, on dirait que c'est dans le désert du Nevada. On dirait un délire un peu Fallout, une sculpture, ouais, un monument, tu vois, un truc comme ça. Et en holo, Baojian, évidemment. Oh, qui est très joli d'ailleurs. Qui est très sympa. Franchement, ouais, elle est très sympa. Kecléon. Magneton, qui est très beau d'ailleurs. De quoi, la Kecléon? Kecléon, ouais. Charme d'Atlante. D'Atalante. Le charme d'Atalante. Charme d'Atalante. Ah, bah, je sais pas, tu dis ou non. Bah, tu dis ce que tu veux, Sophie. De toute façon, personne te jugera, on s'en fout. Hein. Tauros. Normalement, c'est Atalante tout court. Oh, première high techo. L'amulette d'espoir. L'amulette de l'espoir, parce que noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, paraît-il. Et une Rivers Victini. Le V de Victoire. Exactement, de Victoire. Et Baojian. Et Baojian. Allez, première high-tech, ça c'est cool. Allez, let's go. Elle est fatiguée, les gars, elle bosse beaucoup. Oh, Liputi. Trop mince. Elle est trop mince, par contre. Liputi. Les couleurs, elles sont belles. Hermure. Qui est très sympa. Compagnol, qui est très sympa. Non. T'aimes pas? Non. Mais pourquoi? Je sais pas. Ils auraient pu faire un effort. Mais c'est justement la simplicité. Ouais, moi, ouais. J'aime bien. Moi, je la trouve Fampi. Très, très cool. J'aime pas. Elle, j'aime pas. Ouais, ouais, non plus. Quatermac. Quartermark. La baie Lampou. Kemos. Attention, première reverse. Oh, Coifton. Coifton. Oh, je sais bien quoi c'est. Oh, une AR. Oh, elle a l'air bien colorée. Hein. Oh, hey, Obali. Obali, let's go, elle est trop cool. C'est Obali.
Elle est trop cool. Obali. Et une holo, ça sera Eternatus. Eternatus, pardon. Ouais, non, Sophie, là, faut pas manger la moitié du Pokémon. Hein. Punaise, j'ai du mal, je trouve. Des fois, elles sont brouillons, les cartes. Tu vois, je... Bah non, après Eternatus c'est un Pokémon oui. brouillon, hein. C'est... Oui, c'est clair. Tu sais, c'est un peu dans l'attaque des titans, là, le Eren... Bon, bah, ouais. Je sais pas si je t'ai compris. Chouchou de l'île. Démanta. Archéodong. Bakabou. À savoir qu'il y a... Pondrapi. Très passable, oh. Non, je sais plus. Elle est marrante comme ça. Tiens. Pourroussinge, normal, qu'on n'avait pas. Bon, ça tombe très bien, on avait la reverse. Le regard de Jasmine. Je suis pas très fan de Jasmine. Ah, deuxième Haïteko. Mixeur brillant. Le mixeur brillant. Et juste en dessous, une reverse. Oh, Topica. Il est trop mince. Oh, j'avoue, elle est cool. Et en dessous, peut-être encore un... Il a sa petite mèche. Non, à la une holo. Oh, une bah, holo. Tout en qu'à faire. Tout en qu'à faire. Ou tout en qu'à faire. Je pense que c'est tout en qu'à faire, hein. J'insiste. Hein. Chaudil encore, troisième fois. Attends, hop, voilà. C'est un autre, hein, Sophie. Hein. Il y avait Chaudil ouais. et Crocodil. Ouais, mais là c'était Chaudil qu'on avait trois fois. Ouais. Non. Oui, c'est un autre art, je pense. Je crois qu'il y en a deux, je crois. Archéodong. Archéodong. Bon, et les deux là, on les enchaîne. Oh, Hôte de fer. Hôte de fer, qui est très mims. Charme d'Atlante. D'Atalante, effectivement, oui. Parce que j'ai le truc Atlante d'Atlantide, c'est pour ça. Beaucoup d'énergie, lui. Hein. Azumarill. Mystigris. Oh, Mystigris. Ou Mystigris, je sais pas. Deuxième reverse. Eternatus en reverse, c'est plutôt cool. Ouais, ah, une enfin une petite ex. Oh, waouh, la gueule. Oh, la gueule du Flamant Roule. Flamant Roule ex. Il nous la faut. Bah, c'est la première action d'un ça. Allez! Bam, bim, bam, boum, et. Rototope! Hop, Rototope. Manity! Oh, pareil cool! Pareil cool! Oh, Plumeline! Plumeline! Je fais vraiment sur le thème Hawaii, hein. Montagne, la montagne gravité! Noix de coco! Je préfère notre coco d'Alola, pour le coup. Ah ouais, oh, j'aime bien le OG. Miraidon. Pimito. Oh, ils font doucement, peur, tu peux avoir une dingue. Par contre, elles sont trop belles, les... Non. Les Plumeline. On a pas... C'était une autre tout à l'heure. Oh, allez. Une première full art. Et c'est un dresseur. Et c'est Dracena. Dracena. Eh ben écoute, ils nous les font, de toute façon, bon, c'est oui, les premières, oui, oui, donc oui. Nous on prend. Je rappelle que je master setise littéralement tous les sets qui sortent, donc ça me va, je suis très content. Allez, c'est parti, Flamanjou. Flamanjou. Gourouton. Goupix. Goupix. Tilton. Tilton, oh, première fois qu'on la voit, elle est très mimes. Tauros. Il y en a trois différents du coup. Dentycrease. Il est beau. Belle gosse. Boumata. Il y a beaucoup de dragons, hein. Effectivement. Ouais. Bah en même temps, c'était le paradis des dragons dans le set. Vigoroth. Doucement... Ah non. Orbtera Crystal. Oh, oh. Allez, un Pikachu, ça serait cool. Ah. Trépassable. Bon, écoute, il nous les faut. Okay. Okay. La carte est ceci dit trépassable, il nous les faut. Et en japonais, parce que j'en ai ouvert un tout petit peu, les cartes sont beaucoup plus sombres. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre le filtre japonais sur leur Terra Crystal Stellaire, mais c'est beaucoup plus sombre. Allez, Soroshi. Dracena. Ah, elle est très mignonne, elle. On ouais, l'a pas vue. On l'a pas vue encore. Zapetrel. Ah, vous avez fait une autre. Oh, Esprit Vif de l'âme. On l'a pas vu. Tauros. Le kit de déduction, c'est pour déduire des choses. Compagnol. Les compagnols, que j'aime beaucoup comme ça. Colossinge. Elle est belle, hein. Elle est non, très on belle. Pas. Hein. Non, on l'avait pas. Oh. Ah, deuxième. Une belle. Pikachu. Une belle. Non, ah, noix de coco en dragon. Noix de coco d'Alola. Terra Crystal, stellaire. Faut voir ce qu'elle fait, parce que si elle est intéressante.
Là, je pense très honnêtement qu'un booster sur deux, on va être récompensé. Parce qu'il manque beaucoup, beaucoup de hits. Il manque au moins 4 hits minimum, ce Miss Bigirl. Minimum. Pimito. Pyroni. La sous-évolution de. Pyrax. Exact. Sinistrail. Balbalaise. Mais Sophie, attends, tu vas pas me dire que tu prononces ça Sinistrail ? Comme de l'ail, à la fin. Non. Champignon. Non. Les gars, dites aidez-moi. Aidez-moi, les frères. Time. Oui, time. Bah oui, il y a un i avec deux points, c'est que tu le prononces comme deux fois, tu vois. Spoulou. Allez, poula, bah putain, on rigole, c'est bleu, ça sent pas bon. Oh, si, Milo Bélu, c'est très bien. C'est pas celle-là que tu voulais mettre dans ton deck en plus ? Non, c'est la SAR. Oui, celle-là, oui, je veux jouer avec. Mais bon, cadré par un aveugle. Oui, bah c'est pour ça qu'il ira très bien dans le deck. Allez. Bam, bim, bam. Les amis, oh là là, je suis inquiet. Motisma. Il reste 6 boosters. 6 boosters, oh Ibrana. Putain, je sens qu'on l'aura pas, on n'aura pas d'alt. Rousselin. Et pas d'alt dans une display, ça fait mal. Ça fait très mal. L'élixir de dragon. Élixir de dragon. Du Gromago. Du Magnezone. Premier reverse, Obali. Ah bon bah troisième AR. Bah ça fait un peu tableau. Ouais. Voilà, ça fait un peu tableau. C'est pas les meilleures AR encore une fois, mais bon, ouais, elles sont cool, il faut les avoir. J'aime bien. Quand le dernier display qui était très dur pour nous, tu te souviens ou pas en découverte? Ah oui, il y en a un où c'est. Oh là là, c'est le. C'était pas EV1, EV2, EV3, mais je crois que c'était Fight Paradox. Fight Paradox. C'était une catastrophe à chaque fois. Ça a été très dur pour nous. Bon, après, on a tout le set, mais ça a été quand même très dur pour nous à l'ouverture. Togetic. Grillipat. Grillipat. Archéomir. Verpomme. Sonnette d'appel. Miraidon. Irido. Flotillon. Doucement. Voilà. Krakos. Oh. Ah, enfin. Pikachu. Pas non. Du tout. Ah, on va arrêter de l'invoquer parce qu'on l'aura jamais, Sophie. Vaut mieux from this girl. C'est mieux comme ça. On l'aura jamais. À l'invoquer, je me connais, je sais qu'on va le vouloir. Et à trop vouloir une carte, ben on les a jamais. Allez, Duralugon. C'est parti. On a même pas eu Pondralugon ni rien d'ailleurs. Mais bon. Ah, il y a Duralurayon. Ah non, je l'ai bien dit. J'ai cru qu'elle nous avait fait un coup de dysphasie, les gars. Je me suis dit, elle a cliqué, elle a fait un AVC. Allez, Marie. On est fatigué, les gars. Ça fatigue vite, on dirait. Coiffe-t-on. Chongjiang. La note d'ingérence. Allez, Magneton. Première reverse. Non, mais, ah oui, Karine. Canard Bello. Deuxième. Doucement. Allez, s'il te plaît, fais le miracle. Mes couilles. Plumeline. Je comprends pas, un coup elle ressemble à ça. De quoi? Bah, ils abusent, on a rien. Ouais. Ah, c'est dur, hein. Ah, là, ça a été dur. Oh, bah là, oui. Là, ça a été une display assez dure, on va pas se mentir. Je sens que V8, ça va être la guerre. On va devoir se battre, à mon humble avis. Bon, allez, on va vous montrer l'hit. Bon, là, on va pas se mentir, Miss Bogirl. On s'est fait chier à la gueule. Flamant Roule X, Latias X, Fermit X, EX, Libégon EX Terra Crystal Stellaire, Noix de Coco EX Terra Crystal Stellaire, Trépassable EX Terra Crystal Stellaire. Première Full Art, Dracena. Deuxième Full Art. Bon, ça va, c'est cool. Milobelus X. Première high-tech, Mixeur Brillant. Deuxième high-tech, l'amulette de l'espoir. Ensuite, première AR. Guerriègle, excusez-moi, j'ai bugué pour la première AR. Deuxième AR, Hermure. Et on a eu tous les oiseaux. Ouais, et Obali. Bon, ça fait combien de hits en tout, Soso? Du coup, j'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est dur, ouais, non, c'est. Enfin, 13 en sachant que bon. C'est très très dur. Ça, limite, tu les enlèves un peu. Quoi. Oui, non, faut pas les enlever. Oui, non, mais bon, je veux dire, ça reste dur.
Bon bah écoutez, découverte en demi-teinte, hein. Découverte en demi-teinte, 3R c'est normal, c'est normal. C'est toutes les displays. C'est plus 2. Découverte en demi-teinte, bon c'est pas grave, il fallait, c'est vrai qu'on a été très chanceux toutes les autres ouvertures. Ouais. Là c'est une découverte en demi-teinte de cette V8, mais on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. On va ouvrir une nouvelle display d'ailleurs en live, je pense. Bisous tout le monde, bye bye, à demain en live, on va ouvrir sur Twitch à 18h30 ou 18h, on va ouvrir une nouvelle display. Et sur YouTube ce week-end, une autre ouverture qui arrive, ça sera sûrement des ETB ou autre. On verra ça. Allez, bisous tout le monde! Bye bye!